Aujourd'hui, on est face à une inflation des politiques restrictives du point de vue migratoire et État après État, il y a une pression, État africain après État africain, il y a une pression de l'Union européenne pour avoir plus de contrôle des migrants. Le problème, c'est que nos États ne sont pas comme en Europe avec suffisamment de contre-pouvoirs, de bonnes pratiques en termes de droits de l'homme. Et donc le danger, c'est qu'une loi répressive entraîne encore plus de violence contre les individus. Le Maroc a fait le choix différent, le choix de changer radicalement de politique migratoire et de permettre à la société civile, que ce soit des étrangers, des migrants ou des Marocains, de faire des contre-pouvoirs, de challenger l'État sur la manière dont il va accueillir ou il va traiter, etc. Donc c'est quelque chose dont on débat beaucoup, on en parle beaucoup au Maroc, mais lorsqu'on va dans d'autres pays africains, on n'en parle pas suffisamment et il y a beaucoup de violence. Et là-dessus, il y a quand même une responsabilité européenne qu'il faudrait dénoncer. L'Europe pense qu'elle va diminuer la pression migratoire grâce à ça. En fait, elle va créer des troubles qui peut-être demain produiront la pression migratoire dont elle veut se prémunir aujourd'hui.